Nous sommes lundi 27 juin 2022. Salut, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver ce matin en première heure et en direct sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Au sommaire et dans l'actualité, difficile retour de quiétude dans le nord du Bénin. La terreur et la peur toujours présentes dans le quotidien des populations. Une fois encore frappé par une attaque terroriste qui a visé le commissariat de Dassari, c'est dans la commune de Matéri. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. On dénombre des morts côté assaillants et côté forces de sécurité. Le danger est toujours à l'affût, écrit le journal Fraternité. À suivre avec Wahab Ali Kbara, la une des journaux et la revue de presse d'Assiomon Kanya Assiomon. En fin d'édition au forum de discussion, nous reviendrons sur cette attaque. Et puis une projection ce matin sur les législatives du 8 janvier avec notre invité de la société civile, expert en gouvernance. Nous évoquerons la question ou les questions autour de la confection de la liste électorale informatisée. Elle focalise les attentions à maintenant 6 mois du scrutin, les partis politiques notamment de l'opposition, de leurs échanges avec la commission électorale, c'était le 14 juin dernier, ont soulevé la question de la fiabilité de la liste. Que faut-il alors pour qu'elle soit acceptée de tous et que fera la Sénat face à la demande d'audit partiel de la liste à mesure que le processus évolue? Nous aurons la lecture de Joël Ataï-Guedewi. Lundi, sur Actu Matin, on fait le point de l'actualité en une semaine au Bénin. Lundi, on parle aussi sport avec la rédaction Sport de Canal 3. Et nous sommes bien évidemment lundi. Bienvenue sur Actu Matin. Voilà, c'est le retour plateau. Bonjour à vous, Wahab Ali Kbara, bienvenue. Bonjour, Christian, et bonjour à tous. Allez, la une des journaux, c'est avec vous. Effectivement, on va se réveiller ce lundi matin avec cette triste nouvelle qui nous revient du Nord Bénin. Le Nord a donc été attaqué. Il s'agit bien entendu du commissariat de Dassari à Matéri. C'est dans la commune de Matéri. Donc, on va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui titre sur cette information. Ennemi invisible, le danger toujours à l'affût. Programme top entrepreneur à Cotonou, l'ONG Terrien renforce les capacités de ses candidats dans divers domaines. Utilisation des sachets plastiques, les vieilles habitudes de retour malgré l'interdiction. Et puis il y a eu cette assemblée générale extraordinaire de ASSO Model HBC, Modeste Oscar Saizono aux commandes pour donner un nouveau souffle.
au club. On va maintenant à la une du quotidien de service public, la Nation éducation pour une sexualité responsable des jeunes, les étudiants du secteur public mieux aguerris et puis amélioration des soins au CH du Borgou à Libori, mise en service des unités de dialyse et de scanographie. Quotidien Le Routier, supposée crise de paternité à la mission évangélique de la foi internationale, un groupuscule met en danger la foi des fidèles. Le journal qui se demande si l'œuvre du fondateur Sosa va-t-elle s'effondrer de son vivant. Défi info à présent, succession du président Patrice Talon, Romuald Mouadaï, dauphin désigné ou autoproclamé, s'interroge le journal Mission évangélique de la foi internationale. Les frondeurs sont-ils vraiment des hommes de Dieu? Une grosse interrogation à la une de Défi info. Info matin à présent, nouvelle attaque terroriste au Bénin, un dispositif mixte comme meilleure parade et puis plus diluvienne en Syrie, l'urgence de penser autrement l'occupation spatiale de nos villes. L'autre vision, évolution du football béninois, Janine Infantino félicite Coton FC champion de la saison. Et puis approbation du pacte de prêt relatif au procès au Parlement, à l'Assemblée nationale donc. Richard Alossoroun, député en symbiose avec l'initiative du régime Talon. Et puis trilogie gagnante école, entreprise, ministère pour une mise à disposition des compétences locales dans le secteur de l'énergie. Quotidien L'Informateur, attaque armée au commissariat de Dassari dans la commune de Matéri. Les terroristes ont encore tué au moins 4 morts. Il s'agit donc de 2 policiers et de 2 terroristes et des dégâts matériels dans l'attaque de Matéri, précise L'Informateur. Et puis santé, CH du Borgou, à Libori, des unités de dialyse et de scanographie inaugurées. Le soleil levant, travaux d'électrification de Ganvier, l'entreprise RMT, échange avec le maire de Soava, Jean-Mézor Zanou, 20e édition de la fête à Isorwe. Thomas Rinsou appelle à une mobilisation pour le 15 août à Toba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Nord-Sud, quotidien sport au Bénin. Le grand oral du ministre de la Jeunesse et des Sports, Osvald Omeki, a retrouvé dans les colonnes de Nord-Sud, quotidien. Et puis terrorisme, un deuxième commissariat attaqué dans le nord Bénin. Le matinal, lutte contre la prise de stupéfiants au Bénin, les consommateurs de la chicha dans le viseur des députés à l'Assemblée nationale, rattachement de la police judiciaire au ministère de la Justice, le cadre institutionnel et juridique défini, l'avant-projet de loi étudié en ce moment. Quotidien Le Potentiel, ordre des avocats du Bénin, maître Adrien Houngbedi reprend sa touche au barreau. Et puis Osvat Omeki, au sujet des écureuils seniors, cessez de croire que les autres pays sont petits. Et puis il y a cette actualité politique à bâton rompu donc avec les jeunes leaders politiques du département du Koufo, Fabrice Fanny-Bessigne, son comme back dans l'arène politique. Le leader du jour, séance plénière à l'Assemblée nationale, les députés ouvrent le débat d'orientation budgétaire dès ce lundi. Les projections économiques et budgétaires du projet de loi de finances gestion 2023 à l'ordre du jour. Et puis, sixième rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice, la digitalisation pour un avenir radieux à la profession d'huissier de justice. Le journal de notre époque, campagne tous ensemble pour la scolarisation des enfants vulnérables. Salman Issifou lance officiellement la campagne 45 970 000 francs CFA à mobiliser. Le soleil
Bénin Info. Lutte contre l'insécurité au Bénin, une nouvelle attaque terroriste fait plusieurs morts. Six causes au sein de la population, précise Le Soleil Bénin Info. Voilà, Christian, tout rapide, hein, d'apparition ce lundi matin avec Fraternité qui titre aujourd'hui « Attaque terroriste contre le commissariat de Dassari dans la commune de Matéri, ennemi invisible, le danger toujours à l'affût ». Voilà, le commissariat de Dassari est donc le deuxième commissariat à être attaqué par des terroristes. Il faut rappeler que nous étions donc dimanche, dans la nuit, hein, du samedi au dimanche, où un groupe armé a visé à l'aube le commissariat de Dassari au nord du Bénin, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan provisoire fait état de deux policiers tués et deux assaillants neutralisés et un policier blessé. Il faut rappeler que depuis que les autorités du Burkina Faso ont déclaré la zone frontalière nord-ouest d'utilité militaire, eh bien, les terroristes qui ne veulent rien lâcher se rue vers le Bénin avec des intentions macabres, comme l'écrit ce matin le quotidien Fraternité. Ils s'en prennent aux unités de police dont la principale vocation est d'assurer la sécurité des populations. Vivement que tout soit mis en œuvre pour empêcher une troisième attaque similaire, écrit ce matin le journal Fraternité sous la plume de Maurice Dossoumou. Et ennemi invisible, le danger toujours à l'affût. Et à travers la une, hein, d'autres informations à partager de part et d'autre. Hein, on parle des adolescents et jeunes étudiants de l'université d'Abomey-Calavi qui ont été sensibilisés sur la santé sexuelle et les services de santé de la reproduction. L'initiative de l'Institut national de la femme qui entre désormais dans une approche pédagogique. Et ça s'est déroulé à l'université d'Abomey-Calavi. Et puis aussi, dans l'actualité, hein, ce matin, les journaux font cas d'une crise de paternité au niveau de la famille religieuse. La mission évangélique de la foi des pasteurs dissidents serait dans une manœuvre contraire au statut de cette communauté religieuse. Ils tentent d'évincer Augustin Sosa, qui lui est le président fondateur de cette église, écrit par exemple le journal Défi Info. Et la foi des fidèles serait en danger, comme l'a précisé le journal Le Routier. Une nouvelle crise de foi en gestation, comme on l'a connu dans plusieurs siècles religieux, que ce soit au niveau de l'Union islamique du Bénin ou encore au niveau de l'église protestante méthodiste du Bénin. Ce sont là des questions, hein, sur tapis. Cette actualité est suivie également de très près. En tout cas, en fin d'édition, vous aurez votre revue de presse avec Assiongbon Kain. Bon, merci de votre fidélité. On va poursuivre avec le bulletin matinal. Et dans les titres, lancement de la deuxième phase du projet, la cuniculture, un tremplin pour la réussite, hein, pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de Zakota. L'ONG Éleveurs sans frontières Bénin accompagne 25 jeunes filles en cuniculture et 5 autres en transformation et commercialisation de la viande de lapin. J'espère que vous aimez bien le lapin. C'est dans le souci d'assurer leur autonomisation financière. Les détails à suivre en ouverture du mini-journal. Et puis, 35e édition de la journée internationale de lutte contre la drogue. C'était hier 26 juin. L'abus des drogues, en parler, c'est sauver des vies. Au centre des rencontres et réflexions de cette année, nous suivrons le message du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'occasion. Restez avec nous. Le mini-journal, c'est après cette pause. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp,
Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Et voilà, on démarre notre midi-journal par la deuxième phase du projet, la cuniculture, un tremplin de réussite pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de Zakpota. C'est une initiative de plusieurs acteurs à travers laquelle l'ONG Éleveurs sans frontières Bénin a formé et accompagne 25 jeunes filles en cuniculture et 5 autres en transformation et commercialisation de la viande de lapin. La finalité est de sortir ces bénéficiaires issus de familles vulnérables de la précarité tout en opérant un véritable changement dans leur vie par l'élevage de lapins. Les détails avec Ymette Hélène Amoussou. Exécuté par l'ONG Élevage sans frontières ESF Bénin, le projet est à sa deuxième phase. Il est connu sous le vocable « La cuniculture, un tremplin de réussite pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de Zakpota ». C'est une composante des projets innovants des sociétés civiles et des coalitions d'acteurs PISCA. Il vise à contribuer à la sécurisation et à l'orientation socio-professionnelle de 30 jeunes filles vulnérables grâce à la cuniculture. La première phase de ce projet en 2021 a permis la formation de 25 filles en élevage de lapins, la formation de 5 filles en transformation de lapins et en commercialisation, la construction de 25 bâtiments d'élevage individuels, la dotation d'équipements d'élevage, à savoir des cages, des mangeoires, des abreuvoirs, des boîtes à nids, la fourniture de 200 géniteurs, 175 femelles et 25 géniteur mâle. La fourniture d'aliments de démarrage. Après 8 mois d'activité, les filles ont commercialisé 783 lapins pour un montant de 2 185 000 francs CFA. Les fonds ont permis à chacune d'elles de subvenir à ses besoins vitaux. La deuxième phase du projet consiste à renforcer la capacité des bénéficiaires à produire davantage et à rentabiliser leur production. Dans cette optique, chaque fille a reçu un appui en matériel composé de cages, de mangeoires et autres. Avec l'élevage familial, nous constatons quand même qu'il y a l'épanouissement de nos familles. Et c'est pourquoi, pour la réalisation du présent projet, Cridel ONG se tient aux côtés de l'élevage sans frontières. Désormais, l'aliment du lapin sera fabriqué sur place ici à Adido. Le lapin sera transformé sur place. La viande de lapin sera commercialisée au temps réel depuis Adido. Nous voudrions exhorter les filles bénéficiaires à bien s'occuper de cette activité prometteuse. La commune de Zakpota est favorable à accompagner ces gens d'action qui concourent réellement à son développement. La mission principale du SF Bénin est d'appuyer les communautés paysannes vulnérables à améliorer leurs conditions de vie par l'élevage. Pour l'atteinte des objectifs, l'ONG bénéficie de l'accompagnement de plusieurs acteurs. L'organisation est financièrement soutenue par Élevage sans frontières France ainsi que l'ambassade de France au Bénin. En vue d'étendre le projet à d'autres localités de la commune, ESF Bénin sollicite l'accompagnement du conseil communal à travers la mise en place du fonds d'appui aux jeunes filles vulnérables. Et voilà, c'était le reportage de Ymette Hélène Amoussou. William Cliquin, bonjour. Bonjour Christian. La suite du mini-journal, c'est avec vous. Bien sûr, et on va continuer du moins avec cette journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments célébrée en différé à Natitengu. C'était ce week-end, initiative de l'organisation non gouvernementale belge internationale dénommée Île de Paix. Ils ont procédé par une séance de sensibilisation que nous relate ici à la salle. Des aliments sains pour une meilleure santé, mangeons sains pour préserver notre santé. Autant de messages véhiculés au cours de cette caravane, initiée par l'ONG internationale belge Île de Paix et le réseau des acteurs pour la consommation locale et saine, pour marquer d'un cachet spécial la célébration indifférée de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments dans la cité de Nantes.
partie de la maison TV5 de la ville, brandissant des pancartes qui promeuvent le consommant local et une alimentation saine. Les caravaniers ont bravé 5 km de marche au rythme de la fanfare pour rallier la préfecture. Ici, un plaidoyer en faveur d'une alimentation saine sera présenté à l'autorité préfectorale. En cette journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, nous sommes nombreux à être réunis pour vous faire part de notre préoccupation à l'égard des revers de la consommation des produits alimentaires malpropres et de l'utilisation massive et abusive des intrants chimiques. Les aliments insalubres sont à l'origine de nombreuses maladies et contribuent à des problèmes de santé. L'État béninois n'est pas resté insensible à la question. Il a créé par décret numéro 2011-113 l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, dénommée ABSSA. Notre souhait serait que l'ensemble des acteurs travaillent à la base en soutien à cette institution pour permettre son bon fonctionnement, car il s'agit de sauver l'homme, premier vecteur du développement. Par conséquent, nous suggérons aux autorités de l'Atakora et du pays d'activer tous les mécanismes de politique nationale visant à décourager l'utilisation abusive des intrants chimiques, de promouvoir la consommation des produits locaux partout et en toutes circonstances. Message entendu par le chargé de mission du préfet qui promet rendre compte à qui de droit. Nous prenons acte de tous ces facteurs et promettons de prendre les dispositions diligentes. Dans la soirée, toujours sous l'impulsion de l'ONG internationale Île de Paix, voici les populations mobilisées à la maison TV5 de Natitengo. Le temps d'une projection vidéo sur le maraîchage moderne pour une alimentation saine. Ensuite, des scènes de théâtre qui incitent les populations à adopter le consommant local. Je vais au champ, je vais vendre le champ de tomates là. Tout ceci auréolé par un tableau chorégraphique au grand bonheur du public et des autorités ayant fait le déplacement. Vous savez que l'agriculture utilise beaucoup de produits chimiques et ces produits chimiques se retrouvent tout de suite dans les plats que nous consommons. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de maladies non habituelles. Hein. Donc tout ça, c'est un ensemble de problèmes et il faut prendre conscience et travailler à ce que nous puissions essayer de mettre en place des dispositifs pour manger ce que nous produisons, ou sans utiliser des herbicides qui se retrouvent directement dans nos plats et qui nous font autant de mal. Donc, c'est juste un mot de sensibilisation. Et en partant d'ici, soyez des ambassadeurs du consommer local et du consommer sain. La soirée a pris fin dans la convivialité par cette dégustation des méfaits à base de produits locaux pour promouvoir le consommant local. Dans le Modo maintenant, le processus de libération des terrains situés dans l'emprise des travaux de protection de la côte maritime allant de Grand Popo à Ila Kondji vient de franchir une étape décisive après les séances de négociation avec les personnes affectées, suivies des audiences foraines d'homologation, des procès verbaux, des indemnisations ou aides à la réinstallation ont été organisées cette semaine même. Geoffroy Vincent pour les détails. Les travaux de protection de la côte maritime du Bénin allant de Grand Popo à Ila Kondji, dans le département du Mono, démarrent dans les prochains jours. Le chemin est désormais balisé à travers ces audiences foraines d'homologation, des procès-verbaux, des indemnisations ou aides à la réinstallation. Organisées dans la semaine du 20 au 26 juin 2022, elles font suite à des séances de négociation qui ont eu lieu à Agoué avec les personnes affectées. Toutes les phases ont été respectées. Les enquêtes Komodo et Komodo, ils étaient allés vérifier si leur nom correspond à ce qui est écrit, etc. etc. Et donc, s'il y a des réclamations ont été faites. Une étape décisive vient donc d'être franchie pour le lancement effectif des travaux. Le préfet du Mono, en effectuant le jeudi 23 juin dernier, une descente sur les lieux des audiences foraines, ne s'est pas fait prier pour sensibiliser les personnes identifiées affectées par le projet. C'est un projet qui se déroule sous l'égide de l'UEMOA, entre le Bénin et le Togo. C'est le lieu pour moi d'abord de remercier le chef de l'État pour sa détermination, parce que le Conseil des ministres a quand même approuvé tout ce que le comité interministériel a fait comme proposition.
Au total, 230 personnes affectées par le projet ont été identifiées. Les indemnisations ou aides à la réinstallation feront l'objet de transferts électroniques. Et donc, dès lors que les fonds seront reçus, qu'ils aient l'aimabilité de vider les lieux pour permettre à l'entreprise de faire les travaux normalement. Je voudrais lancer un dernier appel. C'est à l'endroit de ces PAP, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ces montants ne soient pas détournés, participent réellement au relèvement de leur niveau pour que leur qualité de vie, à partir de cette tendance, s'améliore. L'argent qu'on nous a proposé, ça dépasse un peu de nos ententes. Nous sommes satisfaits de l'argent. Ce qu'on nous a proposé, on l'a reçu à cœur ouvert. C'est très bon. On remercie le haut jusqu'en bas pour ce qu'ils ont entrepris pour nous satisfaire. Et je tiens à remercier le gouvernement et surtout notre président Patrice Talon pour le bienfait d'avoir pensé à nous. L'entreprise est à pied d'œuvre, il est en train de faire les travaux préparatifs et je crois début octobre, ils vont démarrer effectivement les travaux sur le terrain. Les travaux de protection de la côte maritime du Bénin, allant de Grand Popo à Ilakondji, sont à mettre au titre du projet Wakaresip, un projet régional placé sous l'égide de la Banque mondiale. Le Bénin a célébré hier, 26 juin 2022, la Journée internationale de la lutte contre la drogue. C'est la 35e édition cette année et le thème retenu, c'est l'abus des drogues. En parler, c'est sauver des vies. À l'occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a adressé un message de sensibilisation aux Béninois. On va suivre un extrait de la déclaration de Alassane Seydou. Le thème retenu par les Nations Unies est intitulé l'abus des drogues, en parler, c'est sauver des vies. Ce thème vient à point nommé, en ce sens que l'information et la communication sont de nos jours les principaux moyens pouvant conduire au changement de comportement des populations. Parler de la drogue, c'est sauver des vies en décourageant les acteurs de la désinformation et en sensibilisant les populations par rapport aux effets néfastes de l'abus des drogues sur la santé humaine et l'économie. En ce qui concerne notre pays, le Bénin, il est indispensable que les communautés religieuses, les organisations de la société civile en général et le secteur privé accompagnent le gouvernement dans sa croisade contre ce fléau. Cette journée offre par ailleurs l'opportunité d'informer le grand public sur des thèmes comme les droits fondamentaux, le développement durable et la santé. C'est aussi l'occasion pour les pouvoirs publics et la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation pour un meilleur encadrement des jeunes pour qui la tentation est souvent très forte. Si le cannabis, l'héroïne, la cocaïne et les amphétamines sont considérés comme des drogues dont la production, la consommation et le trafic sont formellement interdits, l'alcool, le tabac, la cigarette, le café et la cola ont également des effets néfastes sur l'organisme, bien que tolérés. De nos jours, il existe de nouvelles substances psychoactives telles que le tramadol et surtout le fentanyl qui sont réputées plus dangereuses. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à toute la population béninoise pour une mobilisation générale contre la consommation des drogues et tous autres produits psychotropes. Alassane Seydou au micro de Melvin Aranzo et Rachidi Soubérou à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drogue célébrée hier dimanche. Les députés ont pris part à la session d'orientation des parlementaires de l'Assemblée nationale du Bénin sur le travail et le plaidoyer de suivi budgétaire en faveur de l'élimination du paludisme. La rencontre est une initiative de l'organisation internationale Speak Up Africa en soutien avec le ministère de la Santé. L'objectif est d'engager désormais le Parlement dans la lutte et de solliciter l'augmentation des ressources pour mener à bien le combat de la lutte contre cette maladie. Ouverture des travaux avec Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouin. Malgré d'énormes efforts que déploient les gouvernants pour l'éradiquer du continent, le paludisme reste un problème de santé publique et de développement en Afrique.
Au Bénin, il constitue la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Aux côtés des acteurs qui s'y sont engagés dans la lutte, les députés entrent désormais dans la danse pour faire reculer le mal. Ce vendredi 24 juin 2022, l'organisation internationale Speak Up Africa, basée à Dakar, au Sénégal, organise en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme cette session d'orientation des parlementaires sur le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de l'élimination du paludisme. Ensemble, nous pouvons mutualiser nos efforts et nos ressources afin d'arriver à l'élimination du paludisme une fois pour toutes. Votre contribution, chers parlementaires, permettra aux populations de vivre dans un pays exempt de paludisme. Nous espérons qu'avec ce temps de partage qu'on aura aujourd'hui, nous allons amplifier l'impact généré par nos différentes actions et qu'ensemble, nous réussirons à contribuer à l'atteinte du développement durable. Pour ma part, je reste tout de même convaincu que cette séance d'échange nous apportera des réponses en tant que législateur sur les réformes nécessaires à la lutte contre le paludisme. Bien entendu, une journée ne suffira pas à cela. Une journée ne suffira pas à lever toutes les interrogations, mais ce sera déjà un grand pas en avant. Les progrès enregistrés au Bénin ont été reconnus et salués, mais le combat reste entier. L'initiative de Speak Up Africa aura donc pour finalité une priorisation et une augmentation subséquente des ressources allouées à la santé et précisément à la lutte contre le paludisme dans le budget national. L'engagement des parlementaires est un pilier incontournable dans cette lutte. Et votre engagement, cher honorable, va favoriser l'accroissement des financements pour la lutte contre cette maladie et ainsi protéger les personnes à risque. Mieux, au-delà de la mobilisation des ressources, les parlementaires représentent un appui essentiel pour la mise en œuvre de toutes les stratégies nationales et constitue également un canal de communication et de plaidoyer à travers leur implication auprès des communautés à la base. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne panafricaine « Zéro palu, je m'engage ». Elle se tient à la veille de l'ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Les députés participant à cette rencontre seront donc mieux outillés pour porter la cause de l'augmentation des ressources en faveur de l'élimination du paludisme au Bénin. L'État béninois ambitionne d'organiser une campagne nationale de vulgarisation autour du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. L'exercice se fera avec un téléfilm conçu ensemble avec les artistes béninois, une production audiovisuelle qui montre au grand public les caractéristiques et le contenu de ce projet voulu par le gouvernement pour soulager les plus démunis. Ce téléfilm a été officiellement lancé en début de week-end à Cotonou sous les yeux de Narcisse Alossé et Rachidi Soubérou. Maman est bénéficiaire de l'assurance maladie de ARCH. Une production audiovisuelle pour servir de support à une campagne nationale de vulgarisation autour du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. On dirait de la magie. Je présente la carte quelque part et aussitôt tout m'est servi. La carte ARCH fait vraiment des miracles. Un téléfilm d'une trentaine de minutes qui renferme les caractéristiques et le contenu réel de ce projet conçu pour sauver des vies humaines. Je suis de retour, saine et sauve au sein des miens. Alors que j'étais à deux doigts de perdre la vie, je suis de retour, saine et sauve, devant vous, grâce à cette carte. La carte ARCH, un sésame d'accès aux soins de santé primaire sans le moindre investissement. Il est destiné aux pauvres extrêmes. Les pauvres extrêmes, nous en avons sur toute l'étendue du territoire. Après les enquêtes PMT qui ont été réalisées récemment, 1 350 000 environ de pauvres extrêmes dans le Bénin. Ceux qui n'ont pas accès facilement aux soins de santé primaires, ceux qui, pour un manque de 1 000 francs, de 2 000, de 5 000, de 10 000, ne peuvent pas se soigner. Des hommes et femmes recensés au cours d'un porte-à-porte dans les ménages organisés dans beaucoup de communes du pays. Et sur le plus du million de personnes recensées, certains ont déjà goûté aux délices de ce projet. J'ai été prise en charge durant mon accouchement et je n'ai rien payé. Une garçon qui est lancée de
Lorsque je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital avec ma carte et j'ai été pris en charge gratuitement. Le nombre de bénéficiaires va s'accroître dans les jours à venir avec la phase de généralisation du projet appelée à atteindre toutes les communes du Bénin. Une phase qui va se faire avec ce téléfilm dont les concepteurs ont prévu une diversité linguistique dans la communication. Ce film a été tourné aussi avec des acteurs locuteurs de langue nationale, de six langues nationales que sont le Fon, le Dindi, le Batonou, le Yoruba et le Minan. Donc ce film n'existe pas en doublage, mais des acteurs locuteurs de ces langues ont tourné vraiment. Autour de ce téléfilm, il y a une vingtaine de spots audio et vidéo qui vont envahir au cours de cette campagne de vulgarisation tous les canaux de communication. Initié depuis 2019, le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche comporte plusieurs volets sociaux dont l'assurance maladie. Ici, le panier des soins renferme plus de 70 pathologies. Et c'est avec le lancement du téléfilm Arche que le mini-journal s'achève ce lundi. Voilà, merci à vous, William. Cliquant, très bonne journée. Merci. Du lundi, l'actualité de retour sur Canal 3 Bénin tout à l'heure quand il sonnera 13h avec la rédaction. Allez, on poursuit notre programme matinal avec le grand retour de Clément Atiadé pour nous emmener parcourir les différents marchés qui vont s'animer tout au long de cette journée du lundi, demain, mardi et mercredi prochain. Ce sera dans notre page Écho, vous aurez le journal des sports avec Hakimé Ousseni. Eh bien, la pause. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02. 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp email canal3benin@yahoo.com info@canal3television.com fraternitefm@yahoo.com fraternews@yahoo.com. Allez, c'est le retour après quelques semaines de congés. Bonjour Clément. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Ça a été les congés, vous avez fait le tour du Bénin? Tout va très bien, mais je n'ai pas pu faire le tour du Bénin. En donc, tout cas, tout s'est très bien donc passé. Vous êtes parlé dans les merci marchés. Beaucoup. Vous n'êtes pas passé dans les marchés. Et on va commencer donc par les marchés qui s'animent ce lundi, demain mardi et mercredi. Et très rapidement, ce lundi, les marchés de Dogbo et Dogbo, Komen, Wando, Wenhi s'animent. Les marchés de Tchéti dans le département des collines, le marché de Kolokonde, Kandi, Toribosito et Zinvier s'animent. Mardi, le marché de Kaswala s'anime, toujours mardi, hein, Nati Tengo aussi s'anime. Les marchés d'Azover, Akodera, Avrankou, Gouka, Zer, Boikon et Wegbo aussi s'animent. Le mercredi, les marchés de Kokokodi, Glodjigbe, Serwe, c'est dans l'Atlantique ici. Les marchés de Glazoué qui s'anime d'ailleurs tous les mercredis. Kobli, Perman, Dangbo, Agoué et Danhoué aussi s'anime. Et quelques tendances de prix, puisqu'on a fait quand même le tour de quelques marchés pour s'imprégner des prix. Oui, le gari à Dogbo comme à Wando et Komen aussi est à 350 francs le kilogramme. Banane plantain est à 500 francs le kilogramme. Alors que les pommes de terre sont à 800 francs le kilogramme. Et le petit mil est à 600 francs le kilogramme à Kassouala et Nati Tengu dans le septentrion. Le maïs, puisque la nouvelle saison ou la nouvelle récolte tombe progressivement, est actuellement
à 275 francs le kilogramme. Le yam cossette est à 450 francs le kilogramme, tandis que le niébé local est à 300 francs le kilogramme et le sorgho rouge, je le précise, est à 800 francs le kilogramme. À Glazoué, à Agoué et à Dangbo, la patate douce est à 375 francs le kilogramme, l'huile rouge 900 francs le litre, alors que le riz local est à 400 francs le kilogramme et les carottes sont à 410 francs le kilogramme. Christian, c'est tout pour ce lundi matin. Et justement, ce sera tout pour ce lundi matin. Merci pour toutes ces informations que vous nous ramenez donc du terrain, Clément. Très bonne journée. Jeudi prochain, on vous retrouvera en plateau et à cette même heure. Très bonne journée du lundi. Allez, espoir. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23. 95 74 29 25 97 77 33 02 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp email canal3benin@yahoo.com info@canal3television.com fraternitefm@yahoo.com fraternews@yahoo.com. Allez, l'espoir sur Actu Matin, Akimé, bonjour. Christian Dandéja, bonjour, mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Vous nous emmenez dans la commune d'Abomey-Calavi ce matin à la découverte d'une nouvelle ère de jeu. C'est exact, la commune d'Abomey-Calavi, ville désormais à statut particulier, en a besoin. La seule ère de jeu reconnue, utilisée par les footballeurs professionnels, c'est bien l'enceinte du campus universitaire d'Abomey-Calavi. C'est d'ailleurs sur cette ère de jeu que le seul club de la commune d'Abomey-Calavi qui a disputé la saison sportive terminé le championnat professionnel. Il s'agit de Sitatunga Football Club et justement son président a pris donc je dirais le manque au sérieux et a mis à disposition de ce club et en même temps des populations riveraines une aire de jeu. C'est donc pour inaugurer cette nouvelle aire de jeu que Sitatunga Football Club a livré un match amical face à une équipe de circonstances. Retenez que ce sont les amis de Marcel Dandino, international béninois. La rencontre de gala a servi de cadre à la célébration de la fête de football entre anciens joueurs, anciens footballeurs et ceux toujours en exercice et plusieurs autres personnalités. C'était bien ce vendredi 24 juin 2022 dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici ici le récit que nous présente Ali Moumouni sur des images à nous ramener par Eder Onprévi. C'est en amical après le championnat de football. Son adversaire, Marcel Dandino et ses amis. Dans le lot, des anciens internationaux béninois et ceux encore en exercice. Des joueurs du championnat, des hommes des médias, des artistes comédiens et même des entraîneurs. Objectif de la rencontre, inauguration de la nouvelle aire de jeu du club d'Abomey-Calavi. Un événement que même les personnalités de la localité n'ont pas voulu se faire compter. Alors voilà, il fallait la touche féminine quand même. Bravo. Parce que quand on parle des questions du sport, c'est la jeunesse. Et c'est pour ça que je voudrais que nous félicitons le président et son club qui a pensé à cela. Il ne manquera pas de notre soutien parce que ce n'est qu'un début. Et je crois, avec ce que je vois ici ce matin, ensemble,
et avec les appuis de tous les acteurs, nous irons loin. Au coup d'envoi, ce sont les amis de Marcel Dandjinou qui engagent. Mais la rencontre démarre plutôt bien pour les joueurs de Sitatunga qui dominent le premier quart d'heure et ouvrent logiquement le score. Au bout des 35 premières minutes, ils inscrivent 3 buts à leurs adversaires. Du retour des vestiaires, les amis de l'international béninois Marcel Dandjinou vont reprendre la possession. Ils inscrivent un premier but, puis un deuxième et un troisième avant d'encaisser le quatrième but. Mais dans les ultimes instants du second acte, les amis de Marcel Dandjinou obtiennent un pénalty et égalisent. 4 buts partout et les deux équipes passent aux épreuves fatidiques des tirs au but. Ici, ce sont les joueurs de Sitatunga qui se montrent plus adroits. Ils s'imposent à l'arrivée sur le score de 5-4. Ça fait plaisir de revoir les amis et tout. Et on a joué, ça fait vraiment plaisir. Donc on peut dire que l'objectif a été atteint. Voilà, l'objectif a été atteint. Et c'est bon de retrouver les amis et de nous amuser à chaque fois. Oui, je suis très content. C'est le football qui a gagné. Le football, il faut un gagnant et un perdant, même si des fois on a des matchs nuls. C'est l'occasion pour moi de remercier les joueurs qui se sont déplacés. Dandjinou, l'international béninois avec ses amis, le coach Bidé, le coach Ouzerou, toutes les personnes qui se sont déplacées pour permettre la tenue de ce match. Ce match de gala lance ainsi les activités sur cette nouvelle pelouse de Sitatunga FC. Donc aujourd'hui, c'est l'inauguration d'une pelouse qui peut nous servir de nous entraîner entre nous, à Tadabou Mekalavi, parce que comme je l'ai dit au début, c'est un terrain de jeu qui peut être utilisé non seulement par l'équipe Sitatunga, mais par tous ceux qui le désirent aussi. Ce n'est pas récurrent au Bénin des matchs entre anciennes gloires et joueurs en activité. Pour ce rendez-vous, le public de Calavi n'a pas manqué la fête. Voilà, le public a fait déplacement donc à Christian pour suivre cette rencontre qui inaugure l'ère de jeu de Sitatunga Football Club. C'est vrai que le club a besoin d'une ère de jeu. Oui. Comme je vous l'ai fait constater, la seule ère de jeu utilisée par plusieurs clubs professionnels de la zone de Cotonou environ, c'est bien l'enceinte du campus Université d'Abmekavi. C'est vrai que là-bas, c'est une ère de jeu à gazon synthétique. Ici, c'est une ère de jeu à gazon naturel. Il faut travailler là-dessus. Mmh. Maintenant, il faut c'est y ajouter exactement voilà. Les commodités qui vont avec. Oui. Il faut déjà saluer l'effort de ce promoteur, de ce responsable du club. Il y a ensuite espérer que eh bien peut-être l'autorité communale pensera donc je dirais pourquoi pas un ligne budgétaire qui permettra de faire doter la commune d'une aire de jeu en plus de ce que nous avons déjà en ce moment, parce que Calavi c'est désormais Christian, une commune à statut particulier. Après donc la rencontre, eh bien les participants ont eu droit à une troisième mi-temps, bien naturellement, puisqu'on parle de fête de football. Les images, vous ne les aurez pas, mais plutôt les impressions après match. Vous entendrez successivement Ouzerou Abilaye, il est le sélectionneur des U20. Fadil Bawa, champion de Bénin avec Coton Football Club et Pu. Notre cher ami, confrère, web activiste, journaliste dans la foulée, Roméo Akloso, qui étaient tous de la partie. Voilà, tout le monde a gagné, on va dire, parce qu'on est allé au tir au but, même si à la fin, on n'a pas forcément gagné le match, mais je pense que c'est une victoire collective, parce que ce qui se fait aujourd'hui est inédit. Parce que je pense que, selon moi, après craquer, c'est une des rares personnes qui a osé faire un stade pour pouvoir s'entraîner. Parce qu'on a forcément besoin de ça. Plus qu'on sait qu'à Cotonou, c'est très difficile de trouver des aires de jeu. On n'en a que deux. Donc c'est assez compliqué pour tout le monde de bien s'entraîner. Et si on a vraiment besoin de progresser, de faire progresser les enfants, de leur trouver de bons créneaux horaires, il faut avoir ce genre d'initiative. Donc c'est fortement encouragé. Et vraiment, ça a été bien. Ça a été bien après une belle saison et avec ce stress-là, aujourd'hui, nous voilà ici à Calavi pour ce gars-là. Vraiment, ça nous fait du bien et je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens parmi nous. Tout le monde a effectivement gagné. C'était de belles retrouvailles, une très belle rencontre entre amis. J'ai retrouvé beaucoup d'amis ici. C'était une très, très belle fête. On remercie les organisateurs, le président de Sitatunga, mon ami, bienvenue, qui a bien voulu que je m'associe à cette fête, et tous les amis qui étaient là. C'est une très, très belle initiative du président de Sitatunga. Je pense que les décideurs doivent l'aider. Il fait bien en mettant en place cette aide de jeu au profit de son équipe. Et
des jeunes talents de la localité. C'est une initiative louable et à accompagner. Et nous serons tous là pour l'accompagner du mieux qu'on peut. La preuve, c'est qu'ils sont déjà là, Christian. Bien nombreux à soutenir cette initiative. Il n'y avait pas que Roméo Akloso, il y avait, vous avez vu sur des images, notre cher ami, la mastodonte Salbert Goudedji, qui était donc de la partie. C'est bien beau. Il faut maintenant parler de la partie. Marc Boudianou et bien d'autres qui aiment bien le football, un peu comme vous et nous. Tout à fait. Il faut maintenant souhaiter, comme Roméo l'a dit, que cette initiative soit accompagnée au grand bonheur des footballeurs et des acteurs sportifs de la commune. D'Abomey Calavi. On va rapidement faire un tour, Christian, si vous le permettez, du côté de la commune de Djougou qui a abrité la journée olympique édition 2022 organisée par le Comité national olympique et sportif béninois, CNSBN. Cette journée qui vise à promouvoir les valeurs éducatives du sport à mobiliser les différentes catégories socio-professionnelles pour commémorer avec faste cette fête de l'olympisme. Et bien, plusieurs activités étaient au menu. Entre autres, il y a une marche sportive organisée à travers la ville et puis une conférence débat donnée à la Maison des Jeunes pour montrer l'importance de la pratique sportive. Les précisions, c'est avec Abdou Raouf Yahya et Abdoul Sahabi Idrissou. Une marche sportive à travers les artères de Djougou pour commémorer la journée olympique. Julien Minavoa et Malik Seibou Gomina s'engagent pour la promotion des valeurs éducatives du sport. Aujourd'hui, nous voulons donner l'exemple que tous ceux qui vivent doivent pouvoir à chaque fois entretenir leurs muscles, bouger pour vivre le plus longtemps possible. Paris gagné pour les organisateurs qui ont pu associer à cette marche les différentes couches socio-professionnelles. Je pense que vraiment Djougou est une escale essentielle, est une escale particulière et nous tenons à en féliciter les responsables, en particulier le maire et toute son équipe de nous avoir permis de réussir cette célébration de 2022. Je voudrais au nom des populations de Djougou, donc à notre nom, à nous tous, remercier le Comité national olympique béninois. Avant l'instant marche sportive, une conférence débat a été animée à la Maison des Jeunes sur le thème « Valeurs éducatives du sport et son rôle dans le développement ». Si pour venir au marché, vous marchez, je suis sûr que vous n'aurez plus de problèmes d'articulation. Parce que lorsque je demande aux pharmacies de Djougou quels sont les produits les plus vendus, ce sont les produits, les gélules pour lutter contre les arthroses, les anti-inflammatoires. Ce n'est pas bon. La marche permet de corriger cela. C'est de notre vie qu'il s'agit. Si nous cessons d'aller à l'hôpital parce qu'on n'est plus malade, c'est des économies que nous faisons pour nous occuper de nos enfants. Si nous cessons d'aller à l'hôpital parce que nous faisons de la marche au quotidien, c'est que ce que nous demandons à Dieu, la longévité, nous lui facilitons la tâche. Leur Majesté, je compte beaucoup sur vous pour que au moins quelques jours dans la semaine, vous puissiez garer vos voitures et qu'on vous voit en train de vous déplacer à pied pour donner l'exemple. La fête de l'olympisme qui promet le fair play s'est déroulé sans anicroche à Djougou. J'aime bien les invités de Malik Seibou Gomina. Demande aux majestés de laisser les véhicules et de marcher. Bon, c'est intéressant. De toutes les façons, je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sous. C'est ce que vous faites. Djougou était donc la capitale de l'olympisme ces derniers jours.
Il faut le faire le week-end, c'est important. 30 minutes de match par jour, ça... C'est que vous le faites, vous faites. Vous ça... jouez bien, vous marchez fait, beaucoup. Ça fait intéressant. Ah ouais. Par contre, avec Bera, je ne sais pas si lui, il le fait. Bon, s'il ne le fait pas, il va falloir qu'il le fasse. Puisqu'il est dans, il est dans une zone où l'asphaltage a impacté, je crois, et le comportement des populations riveraines. Il faut en profiter au maximum, comme l'exige. Il n'aura pas à s'outiller pour éviter les flaques d'eau. Et puis, il n'aura plus à se rendre dans les pharmacies pour acheter les anti-inflammatoires. Pour éviter les arthroses. Exactement. Sacré Malik Sebou Gomi, la maire de la commune de Djougou. Christian va quitter Djougou pour nous rendre du côté donc de Cape Coast. C'est au Ghana pour parler du clap de fin de l'UFOA U17 de la zone B. Le vainqueur de ces tournois, on le connaît. Elle est qualifiée donc pour la phase finale de la CAN de cette catégorie d'âge. On les connaît, Christian. Il y a la petite finale. C'est vrai qu'on ne l'a pas eu à l'occasion des U20, mais bon, les jeunes ont besoin d'assez de matchs. Et dans les jambes, je crois que c'est pour ça que les organisateurs ont fait l'option de faire disputer une petite finale. Et donc, la Côte d'Ivoire a été battue par le Ghana, puis organisateur donc, de cette édition de l'UFOA U17 de la zone B. C'est le Ghana qui a battu la Côte d'Ivoire par le score de 3-2. Le Ghana se positionne donc troisième de ce tournoi. Et puis, les deux vainqueurs, pour faire plus précis, le grand vainqueur donc de ce rendez-vous, c'est bien le Nigeria qui a battu le Burkina Faso Christian par le score de 2-1, on retiendra que et le Nigeria et le Burkina Faso représenteront donc la zone B à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie U17 de football. Nous allons finir avec quelques nouvelles des transferts, bien évidemment, puisque nous sommes, Christian, dans la période du mercato, pour faire constater que David Kiki, l'international béninois, signe désormais à FC Farul Constanța. C'est en Roumanie, première division. Il vient bien évidemment, Darda et Kazali qu'on nous présente, puis c'est un club chypriote. Il y tient donc jusqu'à la fin de cette saison sportive. L'international béninois âgé de 29 ans a signé, a paraffé un contrat de 3 ans. Taiwo Awoniyi, Nigérian de 24 ans, lui, il vient donc à Nottingham Forest. C'est un club promu en première division anglaise de football. La provenance de ce jeune Nigérian de 24 ans, c'est bien Liverpool, lui, qui depuis sa signature enchaînée, il est prêt à l'étranger, dont le dernier est du côté donc de l'Union Berlin, c'est en Bundesliga allemande, où il a marqué 15 buts en 2021. Eh bien, désormais, il va évoluer donc du côté de Nottingham Forest. Le montant de transfert est de 20 millions d'euros. C'est un record pour le club de Liverpool. Le contrat est de 5 ans. Et puis, on va finir avec Salis Abdoul Samed. C'est un Ghanéen de 22 ans. Lui dépose ses valises du côté donc du Racing Club de Lens. Sa provenance, c'est bien Clermont Foot, qu'on ne présente plus, c'est le club de deux internationaux béninois, Jodel Dossou et puis Rontondi Cédric, et bien Christian. C'est un joueur qui a été convoqué pour la première fois avec les Black Stars du Ghana après une bonne saison en Ligue 1. Et bien, le montant de transfert est de 5 millions. Le contrat court jusqu'en 2027. Dans 30 secondes, pile poil, j'avais dit 8 heures, Christian, c'était les sports ce lundi matin. Et nous étions en plein dedans avec vous, Akime Ousseli. Merci beaucoup pour ces informations partagées avec nos téléspectateurs. Eh bien, on va ouvrir le forum de discussion avec notre invité fil rouge de ce matin, Joël Ataï-Gadegbe. Il est acteur de la société civile, expert en bonne gouvernance. On reviendra donc sur l'actualité électorale puisque nous sommes à pratiquement 6 mois donc de la tenue des prochaines élections législatives. Où en est-on avec la confection de la liste électorale permanente informatisée? Comme vous le savez, la fiabilité de la liste, c'est bien sûr l'autre gros sujet abordé par les acteurs politiques qui ont effectué le déplacement de la CELA. Le 14 juin dernier, vous avez échangé avec l'équipe de Saka Lafia sur la fiabilité de la liste.
Il a été également évoqué la question d'audit partiel de cette liste. Est-ce possible que cela se fasse? Question que nous poserons à notre expert Joël Ataï-Guedegbe. Dans la suite également de nos discussions ce matin, on reviendra sur cette attaque terroriste. Le commissariat de Dassari qui a été touché de plein fouet. C'était donc dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Bilan, 4 morts, 2 policiers et 2 assaillants. Il y a également des blessés. On reviendra sur ça. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 61 62 12 02 WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, le forum de discussion ce matin sur Actu Matin. Bonjour à vous, Herman Agnambousou. Bonjour, Christian Région. Bienvenue. Merci. Oui, il nous a rejoint en plateau, Joël Ataï-Guedegbe. Bonjour. Bonjour, monsieur Adam. Vous êtes acteur de la société civile, vous êtes expert en gouvernance et les questions électorales également, vous les abordez beaucoup puisque vous suivez de près tout ce qui se fait. Et nous avançons à grands pas vers la tenue des élections législatives du 8 janvier 2023 et on observe beaucoup ce qui se passe du côté de la Commission électorale nationale autonome qui d'ailleurs le 14 juin dernier a échangé avec les responsables représentants des partis politiques sur différents sujets. La question qui a été beaucoup plus évoquée, c'est bien sûr la confection de la liste électorale informatisée. D'abord de cette initiative de la Sénat d'échanger avec les partis politique, est-ce que vous trouvez juste que cela se fasse, Joël Ataï-Guedegbe? Oui, il le faut et il le faudra encore plus pour continuer de rassurer et d'expliciter et certaines étapes du processus électoral ou du moins certaines procédures plus précisément. Et donc la Sénat est le principal organe chargé de la gestion des élections au Bénin et en tant qu'interface par rapport à d'autres institutions, mais surtout par rapport aux parties prenantes que sont fondamentalement les partis politiques et les candidats, elle se doit d'entretenir ce dialogue-là. Et donc une communication à bon escient est de toute façon de l'intérêt de la Sénat et du processus. Ça nous permet, nous aussi, citoyens lambda, d'être informés justement, de suivre les choses. Des échanges entre Saka Lafia, les membres de la direction générale des élections, les partis politiques. Et après ces échanges, justement, on se pose la question de savoir quelle sera donc la suite, puisque beaucoup de sujets ont été abordés. La Sénat a apporté des clarifications et des précisions sur le déroulement du processus, l'élaboration du budget. On a
parler également, surtout de la confection de la liste électorale informatisée. C'est justement le grand sujet de préoccupation actuellement. Oui, actuellement. C'est une liste. C'est pas le seul, de toute façon. Et puisqu'on parle de l'EI, liste électorale informatisée désormais, qu'elle est en cours d'établissement par l'Agence nationale d'identification des personnes. Oui, l'ANIP. L'ANIP, bon, donc organisme dans lequel les partis politiques n'ont pas pied. Forcément, la suspicion est assez élevée, mais point trop n'en faudrait. De toute façon, c'est à l'ANIP et à la CNA, j'y inclus la DGE, et de faire de leur mieux pour porter à la connaissance des partis politiques ce qui est de leurs droits et ce qui se fait. Et il n'y a rien à cacher. Et la loi prévoit que les partis politiques puissent, le cas échéant, et en tout cas d'abord les citoyens, d'abord, obtenir réparation sur une mauvaise inscription, une non-inscription. Et la loi prévoit même qu'on demande la radiation de certains électeurs qui n'auraient plus le droit de l'être, soit parce qu'ils ont perdu leurs droits, sont défaillis, entre autres choses, ou alors ne sont plus de ce monde. Mais les partis politiques ont besoin de savoir où on va. Et il ne s'agit pas d'accuser sans preuve. Et encore faudrait-il qu'on ait d'abord des éléments de comparaison, des éléments pertinents pour lancer à la criée que ça n'irait pas. C'est pas parce que l'ANIP est un organe administratif dépendant donc du gouvernement, qu'il faudrait l'accuser de tous les péchés d'Israël. Et donc il faudrait d'abord avoir la preuve que l'ANIP serait en train de faire du faux ou de mal faire son travail avant de se lancer dans les anathèmes et voilà, c'est un instrument, autres accusations. Oui, justement, c'est un instrument souvent bien querelé dans tout pays, surtout sous les tropiques, quand il s'agit de liste électorale. Aaron Parfait à Niambosu, la démarche de la commission électorale, l'acceptation des partis politiques également de s'asseoir et de comprendre le fonctionnement dans le processus en cours était vraiment importante alors. Je pense que c'est parce que la liste électorale dans tout pays a souvent fait l'objet de beaucoup d'attention, que la Sénat s'est trouvée dans l'obligation, comme ça a été le cas de toutes les élections d'ailleurs, d'associer les partis politiques, de les entendre, de les écouter. Sauf qu'ici, contrairement à ce qui se passait où c'était le COSLIPI avec l'ANT qui organisait les élections, donc qui permettait à des partis politiques, minorité, majorité et société civile, je crois, d'avoir un œil sur ce qui se faisait par le bras technique, cette fois-ci, c'est l'ANIP qui le fait. La loi a prescrit en son article, je crois, 124, que l'ANIP puisse faire publier la liste 120 jours avant le 8 janvier, ce qui nous ramène à 8 septembre 2022, où on est censé voir la liste telle que c'est conçue, c'est pas publié. À 15 jours avant, on dit que c'est remis à la Sénat et tout. Je pense que tout le processus, ça a commencé depuis et on attend le 8 septembre pour voir ce qui va être fait. On a déjà eu une liste électorale provisoire qui a été affichée. La loi a été claire également. La LEI, c'est la liste qui regroupe les citoyennages de voter au premier jour de l'année électorale. C'est ce que la loi a dit. Je pense que tout ce qui est fait, c'est pas mal, sauf qu'ici, même si les partis politiques ne participent pas à la confection, pour ainsi dire, de la liste ou à la conception de la liste, il y a également que la société civile, puisqu'on a vu Ataï Guédégbé, acteur ardent de la société civile. C'est un peu comme si au Bénin, la société civile n'est plus civile et qu'elle est devenue société politique. Et donc, on ne les voit plus vraiment à l'œuvre, ils se taisent et se tairent. Et on ne sait pas trop ce qui se passe, de sorte qu'aujourd'hui, quand vous le voyez sur le plateau, bon, il est expert en gouvernance, alors qu'on aurait pu avoir un monsieur comme lui, ou alors d'autres personnes, société civile, des ONG, Social Watch et consorts, avoir un œil là-dedans. Ça aurait permis de rassurer un peu
les partis politiques qui ne prennent pas part à la confection de la liste. Justement, c'est un aspect que nous allons aborder tout à l'heure au cours de nos échanges en plateau ce matin. Où est-elle passée alors, cette société civile, alors que nous sommes en plein dans le processus électoral? Oui, Christian, on va s'interroger où se trouve actuellement la société civile, mais en attendant, n'est-ce pas, il y a que c'est une très bonne initiative de la part de la Sénat de rassurer les formations politiques et, je dirais, les parties prenantes aux élections législatives de 2023. Parce que la question de la confession ou de la conception de la liste électorale, ça fait souvent objet, je dirais, de grands débats parfois fondés ou infondés. C'est selon là où on se positionne. Et par conséquent, pour une liste ou bien une structure ou institution chargée d'organiser les élections, il faut ce contact, cette communication et ces échanges pour que chacun puisse comprendre les questions qu'il y avait à poser. Je pense que les formations politiques qui aspirent, n'est-ce pas, au rendez-vous de 2023, de janvier 2023, ont pu les poser. La Sénat a travaillé à leur apporter des clarifications. Donc, je pense que ce contact, s'il est permanent, ça permet, je dirais, d'éclairer les zones d'ombre et de nettoyer ou de nous débarrasser de toutes les suspicions qu'on accroche, n'est-ce pas, aussi bien à la Sénat qu'à l'ANIP qui, en ce moment, travaille à faire sortir une liste. Maintenant, le nettoyage de la liste, l'assurance qu'il faut, il y a que, oui, contrairement au par le passé où c'était le COSLEPI qui confectionnait la liste, si on a bonne mémoire, je crois que c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on a la majorité et la minorité représentées. On a également l'œil de la société civile. Mais les choses ont évolué et puis c'est un peu comme si c'est l'administration qui confectionne la liste. Je parle donc de l'ANIP où on n'a pas opposition, on n'a pas mouvance. On n'a que des techniciens. On n'a que les techniciens de la chose. Donc, il faut également que les partis politiques puissent avoir un œil sur ce qui se fait. Ça veut dire quoi? C'est de patienter et espérer ces contacts, ces échanges réguliers. Et il faut préciser que bien avant la Sénat, il y a que l'ANIP, par deux fois, si j'ai bonne mémoire, avait déjà rencontré les partis politiques pour clarifier cela. Avait également échangé avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sur un certain nombre de détails concernant toujours la confession de cette liste. Donc je pense que tout le monde travaille, toutes les parties prenantes travaillent à ce que les élections qui nous attendent soient, je crois, les plus apaisées, mais beaucoup plus les plus transparentes. Parce que la transparence est souhaitée de tout le cas. Ça permet souvent d'éviter, je dis, les violences post-électorales, pré-électorales et parfois post-électorales. Parce que quand la liste, est querellée, ça pose un véritable problème. Maintenant, il y a rapidement quelques souhaits émis par les formations politiques, c'est comment on va nettoyer cette liste. Je pense qu'on ne se lève pas du jour au lendemain parce qu'il y a un véritable problème sur lequel on avait attiré notre attention. C'est le fait qu'on ne déclare pas souvent nos morts, pour ne pas dire les personnes décédées, on ne les déclare pas. Cela pose un véritable problème quand il s'agit de dire non, telle personne est décédée, comment on va l'enlever sur la liste. Ce n'est pas une déclaration, je dirais, verbale qui permet de procéder au nettoyage du nom de la personne décédée. Il y a qu'il faut procéder à une déclaration officielle. Il y a un certificat de décès qu'on a présenté. Et maintenant, il faut une loi au niveau de l'Assemblée nationale qui autorise les acteurs concernés à procéder à ce nettoyage. Donc, il faut comprendre ce mécanisme. Vous savez, la Sénat à un chronogramme bien élaboré qu'elle est en train de suivre au cas par cas. Et vous savez, c'est une question de délai. La date, elle est bien connue. C'est le janvier prochain. Nous sommes à un peu plus de 6 mois, une semaine, je crois, ou 2 semaines de cette date. Hakimé Ousseli, oui, la confection de la liste, tout le monde se dit, on sait que, bon, ça sera suivant les délais prescrits dans la loi, tout sera respecté, mais la grosse inquiétude, c'est bien sûr la fiabilité de cette liste. Et ils n'ont pas manqué de l'évoquer au cours de cette rencontre avec la Sénat, certains acteurs politiques.
politiques, notamment de l'opposition. On se demande pourquoi, bien souvent, c'est du côté de l'opposition qu'on se pose un certain nombre de questions sur la transparence. Un peu comme s'il faut toujours s'opposer. Oui. Peut-être parce qu'a priori, on estime que quand on est de l'opposition, on n'a pas souvent droit au chapitre. Mmh. Et que parfois, on n'est pas au niveau des instances les plus intéressantes. Ils iront plus loin pour vous dire que quand ils tenteront de faire un audit du personnel de l'ANIP, c'est qu'ils ne sont pas aussi représentés. Donc, du coup, ils sont dans une dynamique de suspicion. On ne va pas leur en vouloir que de s'interroger sur la crédibilité de la liste parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas là où ça se fait et qu'ils auraient souhaité voulu être là. Malheureusement, pour l'instant, ils n'y sont pas. Pas parce qu'ils ne sont pas qu'il faut ne pas reconnaître qu'ils ont quand même des suggestions ou des demandes à formuler. Et c'est pour ça qu'il faut saluer déjà cette invite du président Eric Koundé-Té qui parle d'audit de la liste électorale informatisée parce que, eh bien, il faut trouver le mécanisme afin que, eh bien, on puisse d'une manière ou d'une autre rassurer les différents acteurs qui seront engagés dans la course pour les législatives prochaines. Par le passé, Emmanuel fait bien de rappeler que, eh bien, il y avait Coslépi qui minimisait donc, je dirais, les suspicions. Parce que même s'ils ne sont pas trop représentatifs, c'est qu'ils y sont. Et ça peut être deux, ça peut être un. C'est que, eh bien, au moins, il y a une possibilité de savoir ce qui se fait. Parce que, eh bien, quand l'ANT travaillait, eh bien, le Coslépi a la possibilité d'aller s'assurer du travail qui est en train d'être fait. Et vous vous souvenez qu'en son temps aussi, quand on retourne dans les archives, c'est que, eh bien, les partis politiques avaient la possibilité de venir à une séance, je dirais, soit de porte ouverte, qui leur permette de voir un peu comment est-ce que, eh bien, on est en train de confectionner la liste électorale pour maintenir informatisée dans son temps. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut souhaiter, comme l'a dit également Joël tout à l'heure, que, eh bien, la NIP et puis la CNL ont la possibilité de rassurer les acteurs de l'opposition qui vont, qui seront dans la course pour les législatives prochaines. Et ceci passe véritablement par la multiplication des échanges, des rencontres, bien évidemment. Et que la NIP ait aussi la possibilité, pourquoi pas, de leur dire un peu, de leur montrer un peu comment ça se déroule. Je crois qu'on ne va pas en vouloir à l'opposition d'avoir des craintes, mais pour minimiser les craintes, c'est qu'il faut au moins avoir la possibilité de multiplier les différentes rencontres avec l'opposition, avec les partis politiques, afin que chacun puisse savoir ce qui est en train d'être fait. Le délai, il est respecté. Possibilité de savoir que, voilà, il y a peut-être des difficultés à tel endroit et tout ce qu'il y a autour. Je crois que ça participe de la crédibilité de l'instrument et ça participe aussi à minimiser les différentes craintes venues de part et d'autre. Cela va, je dirais, de la bonne organisation et de la bonne tenue de nos élections, parce que, comme le dirait l'autre, qui peut le plus, peut le moins. Mmh. Et donc, il y a une possibilité, donc, pendant que nous y sommes, de permettre donc à cette opposition d'avoir des éléments qui rassurent et qui rassurent davantage. Le 8 janvier prochain, c'est pas trop loin. La Sénat déroule son calendrier pendant que nous y sommes. Emmanuel a rappelé les fourchettes, les délais, 120, 15 et tout ce qui est autour. Il faut forcément qu'on tienne dans le délai. Il faut forcément que les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, aient des éléments d'appréciation afin que Christian, comme on l'a toujours souhaité, que le 8 janvier prochain, que ce soit une grande fête électorale. Et qu'on n'ait plus à nous plaindre des violences, comme vous l'avez dit, pré-post-électorale. Ça ne fait pas bien. Notre démocratie est quand même citée un exemple. Même s'il y a quand même ces derniers temps des éléments qui amènent à donner l'impression qu'on est en train de mettre un peu des grains de sable à l'intérieur, il faut faire l'effort de les extirper parce qu'on a encore le tamis pour y arriver. Et donc, je crois que cela participera de la crédibilité. Alors, on va écouter Joël Ataï-Guelaoui sur la question. Quand on a parlé de suspicion tout de suite, on se dit que ça vient bien souvent et très souvent du camp de l'opposition. Est-ce de bonne ou de mauvaise foi cette crise de confiance qui naît bien souvent quand il s'agit de sortir une liste électorale? Je rebondirai sur ce que Kimi Sémi disait. Ce qui se fait sans moi en mon absence, j'ai tendance à penser que ça se ferait contre moi. Maintenant, il faut pouvoir le démontrer. Oui. Et il ne suffit pas de polluer l'atmosphère avec des suspicions à tout va. Et je crois que nous avons un sursaut à faire de ce côté. Non seulement l'administration se doit d'être républicaine et professionnelle, mais les partis politiques également doivent pouvoir cultiver un tant soit peu la confiance qui n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Et donc, c'est des mécanismes de contrôle qu'il s'agit peut-être
enfin, c'est eux qu'il faudrait peut-être mettre en exergue et pour rassurer que, oui, nos droits, les droits des citoyens, des électeurs, les droits des partis sont pris en compte. C'est vrai, on a expurgé des organes, les partis politiques, en dehors du conseil électoral, c'est ça, où minorités, majorités et autres là sont représentées. Bon, au-delà, il n'y a plus le type de représentation plus ou moins paritaire qu'on a eu par le passé. Voyons si ce nouveau pas est le bon et permet de décider que quand même nous pourrions faire un tant soit peu confiance à une administration dans notre pays. Sinon, on ne pourra plus jamais faire quoi que ce soit de bon. Tout pays a besoin de fonctionner à partir d'une administration. Maintenant, elle a des devoirs également. Et je pense que les partis politiques ne se sont pas suffisamment appropriés la loi. Et elle peut être lacunaire sur certains plans. On peut être nostalgique également du passé, qui n'a pas forcément été la chose la plus efficace qui soit. Peut-être que ça a assuré un tant soit peu l'inclusivité et un consensus relatif sur l'issue des élections. C'était le mérite de l'ancien système. Mais point trop n'en faudrait. Il était lourd, il coûtait cher. Peut-être que, et certainement qu'il coûtera toujours moins cher que des violences, que des conflits qu'on ne pourra pas arrêter de sitôt. Ce dont il s'agit, c'est quand même de l'identification de celui qui va être électeur. Oui. Et nous n'avons pas un état civil fiable. Et nous sommes en train de le reconstruire. Et la NIP, jusqu'à preuve du contraire, a donné des gages de ce côté-là. Et s'est montrée relativement et performante. Dans la question électorale, il s'agit de savoir si elle pourra faire le pas suivant, enfin, et consolider les succès qui ont été les siens. Et à toutes les parties prenantes de l'aider en ce sens. C'est aussi à la NIP, c'est Wahab qui soulignait qu'elle-même avait initié une ou deux rencontres. Et point trop n'en faudrait, peut-être qu'il faudrait continuer à le faire. Et c'est là que je félicite la Sénat d'avoir pris l'initiative de le faire au lieu de se tourner les pouces, se croiser les bras avant qu'il ne soit trop tard. Et donc s'il y a encore à discuter, à mieux expliquer, à initier peut-être même des formations pour les partis politiques. Et qu'en leur sein, ils essayent de mieux s'approprier la loi pour voir, non pas comment la subvertir, mais comment l'exploiter pour défendre effectivement les droits de leurs militants, des citoyens. Et nous aurions fait encore un pas important dans l'organisation dépassionnée de nos élections. Et la loi fonde tout citoyen, et notamment ceux qui sont appelés à être électeurs, à demander communication des données, de leurs données qui auraient été enregistrées. Il y a une procédure à cet effet-là. C'est vrai, ça ne passe pas par les partis politiques. C'est peut-être ce qu'il faut regretter ou bien ce qu'eux ils regrettent, sans le dire. Mais par le passé, combien de fois les partis politiques se sont-ils fait réellement les défenseurs des citoyens, des électeurs dans leur droit à être inscrits. Soyons sérieux. Oui. C'est plutôt les prébendes que les gens pouvaient tirer de leur présence dans ces organes-là qui intéressaient. La loi a même donné la possibilité aux partis de se faire représenter dans les bureaux, dans les postes de recensement d'abord, ensuite de vote. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? La loi a permis qu'il y ait même... et entendait payer soit un représentant de l'opposition, un représentant de la mouvance. On avait encore le plus grand mal à les trouver. Or, c'est par ces mécanismes que le contrôle commence par être fait. Ensuite, puisque nous sommes dans le domaine informatique et électronique, il doit pouvoir... l'audit dont on parle peut toucher à ces questions-là de fiabilité, d'accessibilité. Et au besoin, demander correction, demander davantage d'efficacité du système qui aura été mis en place. Aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'on en dit? La question préoccupe parce que, oui, en faisant obligation qu'on publie la LEIP 120 jours et que la LEIP soit disponible 60 jours avant, nous sommes déjà dans un délai où les acteurs politiques ne sont plus forcément accrochés à ce qui se fait du côté de la SENA. Et Sénat, Conseil électoral et des directions générales des élections, ANIP et consorts. Donc je pense que c'est déjà bien que dès maintenant, ces partis politiques puissent avoir l'œil ouvert et se dire attention, nous veillons au grain, vous êtes suivis comme du lait sur le feu. Parce que n'oubliez quand même pas, quand on fait le point, on se rend compte que durant la rupture, en fait, depuis 2016 à ce jour, toutes les élections, ça a été comme des élections avec expérimentation. 2019, avec tout ce que ça a connu, il ne fallait pas. 2020, communal, où la question des 10%, est-ce qu'il faut y aller? 2021, avec le duo présidentiel, avec tout ce qui suit. Et 2023, qui va également constituer, qui a constaté l'installation du Sénat désormais en deux volets, Conseil électoral, Direction générale des élections et tout. Et donc l'ANIP également qui entre dans le jeu. Je pense que c'est trop de choses à la fois sur lesquelles les partis politiques ont besoin d'avoir quand même un œil, d'avoir tout ceci. Je pense que le fait pour les partis d'opposition d'avoir l'œil ouvert, c'est parce que justement, ils ne sont pas représentés dans ces instances-là. Et comme l'a dit Akimé, l'administration, l'ANIP, on ne peut pas dire que c'est une administration qui n'a pas une petite coloration. Non, on ne peut pas dire ça. Donc, je pense qu'on gagnerait plutôt à ce que pour les fois à venir, on puisse avoir effectivement l'œil de l'opposition et de la mouvance dans ces instances-là. Ça nous permettrait d'éviter tout ce qu'il y a comme suspicion. N'oubliez pas également que la liste, ce n'est pas la première fois qu'on conçoit une liste électorale au Bénin. Oui. Ils en ont l'expérience. Non, l'exercice est totalement purement technique. C'est vrai que, on ne peut pas étiqueter tant tampon d'aide de l'opposition ou d'aide de la mouvance. Ce sont des cadres qui ont des compétences. Et l'administration a besoin de ces cadres et on les a appelés pour la confection de. En tout cas, pour servir au niveau de l'ANIP. C'est pour ça que j'insiste pour dire que même par le passé au niveau de l'ANT, il n'y avait forcément pas de coloration. Seulement que oui, certains pouvaient vous dire qu'il y en a qui ont eu des parrains avant de se retrouver au niveau de ces différentes structures. Et que ça avait donné l'impression aussi de calmer un peu quelques acteurs, pour peu qu'il y avait déjà au moins l'instrument politique qui était le COS aux côtés donc du bras armé technique qui était l'ANT. Cette fois-ci, ça fait un peu limite. Et donc, du coup, il y a des suspicions. Mais je crois qu'on va pas. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Parce que je crois qu'il n'y a pas une manière particulière d'enregistrer ou de prendre les données d'un Béninois. Et quand quelqu'un vient, il n'est pas estampillé de l'opposition. Oui. Alors, en dehors des acteurs qu'on connaît, opposants et consorts, quand vous et moi nous quittons et qu'on va demander un service au niveau de l'administration, on ne vous demande pas votre cadre d'appartenance à un parti politique. Donc, du coup, les techniciens font un travail, ma foi, et j'estime, un travail quand même impartial. Et donc, oui, on devait peut-être souhaiter beaucoup plus, avoir plus d'informations, s'informer, s'approprier, comme l'a suggéré tout à l'heure Joël, les différents instruments juridiques qui vous permettent d'aller au contact et d'aller apurer, d'aller comprendre ce qui se fait, que de forcément croire que, on a trop de raisons et de suspicions, tout ce qui est autour. Moi, je veux croire que le travail se fait de façon impartiale, et qu'il s'agit quand même de l'analysement des données, et que la liste à l'arrivée, et quand elle va être publiée 120 jours avant, que les acteurs de l'opposition et consorts, les acteurs politiques, puissent savoir avec précision quel est le rôle qu'ils ont à jouer à partir de cet instant-là. Parce que c'est de ça que les questions. Parfois, on oublie, on laisse passer certaines occasions de compréhension. Et c'est après qu'on cherche, on se rend compte et on cherche à se rattraper, malheureusement. Il va falloir faire trop vigilant. Parce que c'est une évidence que les élections prochaines, les législatives, comme l'a dit en son temps Sakala Fia, c'est une élection expérimentale pour déjà la structure que constitue la Sénat, puisque désormais, comme l'a rappelé la prédécesseur. Je voudrais demander à l'ANIP si c'est possible
de faire un point également de ce qu'elle a pu enregistrer comme électeurs supplémentaires. Il y a toute la cohorte de ceux qui sont arrivés à l'âge de la majorité, à 18 ans, et ceux qui ont eu la fenêtre entrouverte pour pouvoir rentrer désormais dans le circuit, parce que avec l'ancienne Lépide, 10 ans, certains n'ont pas pu du tout pendant ce temps-là. Et donc, à mon avis, c'est déjà à ce niveau qu'il faut se surveiller, qu'il faut voir comment les choses ont évolué. Et normalement, ça permet d'apprécier ce d'apprécier qui est fait en ce moment même. Qualitativement, oui. À tout le moins, et par des instruments statistiques, on peut s'assurer quand même de la qualité de ce type de travail-là. Maintenant, tant mieux si les partis politiques peuvent apporter des éléments encore plus précis. Les partis politiques, comme les citoyens, d'ailleurs, je le disais, les citoyens, eux, ont un droit, peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Ils ont le droit, mais qu'ils n'ont pas forcément exercé. Donc, il faut, en cela, la société civile aussi doit prendre sa part du feu, accompagner les citoyens dans cette démarche-là. Maintenant, quand on a fait ça, on doit pouvoir alors donner une espèce de quitus, de validation tacite pour continuer avant qu'on arrive à la liste provisoire 120 jours avant le scrutin. Parce que là, ça commence par devenir très compliqué de corriger les choses. Et la liste serait présentée par bureau de vote, tel que ça a été dit. Une des aberrations auxquelles on assiste, c'est que parfois, les gens sont initialement sur la liste et n'obtiennent pas droit de changement de résidence. Il y a beaucoup qui ont changé de résidence. Et donc, il faut que ce droit-là soit effectif, qu'il n'y ait pas à tergiverser là-dessus. Et qu'ensuite, chacun ait une connaissance claire de son poste de vote, et pour ne pas perdre du temps le jour-là, pour ne pas s'énerver, désespérer, parce que à l'arrivée, c'est le taux de participation aussi N'est-ce pas aussi le rôle des partis politiques? C'est vrai qu'en ce moment, il y en a qui sont sur le terrain et qui vont au contact de leurs militants. On parle de réhomobilisation de la troupe, n'est-ce pas le moment également d'informer les populations qu'ils ont ce droit et qu'ils ont également ce devoir. J'ai peur que s'ils ne l'ont pas fait avant, on ne puisse plus ouvrir la liste à qui que ce soit. Ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. La loi, c'est la loi. Et maintenant, ceux qui sont là-dedans, ils ont d'autres droits qu'ils peuvent exercer. Et ce n'est pas fini. Donc, on peut exiger beaucoup plus de la NIP en termes d'ouverture à l'information du citoyen, des partis politiques, pour dépolluer l'ambiance. C'est vrai qu'on la on la sent un peu silencieuse, hein. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un travail sérieux qui se fait là et qu'on est concentré autour pour pouvoir nous sortir, je dirais, une elle liste qui par sera exemple présentée le tous, modèle de carte d'électeur et qui soit réellement en amélioration par rapport à la carte d'identité qu'elle a. Bon, illisible qu'elle a produite. Donc, on se rappelle de l'éventail qu'on avait sorti. Mais la taille des dégâts sur la carte. Parlons des pièces à utiliser. La loi était claire là-dessus aussi. La loi était claire. Et il faut qu'on s'entende pour qu'en cours de processus, on ne change pas les règles du jeu et qu'on n'ajoute pas d'autres pièces, bien qu'on n'en retranche pas. Donc, sur ces questions-là, je pense que le dialogue vaut la peine d'être organisé et d'être tenu jusqu'au bout. Les uns et les autres doivent pouvoir s'y engager. C'est ça, les mesures de confiance qu'il faut essayer de mettre en place pour passer à autre chose, quoi. Oui. On va évoluer, justement, puisque vous êtes un acteur de la société civile. On va aborder la question... J'aime bien rappeler que nous sommes à pratiquement 6 mois du scrutin, mais la plateforme... Ça fait un petit peu dans la tête des partis politiques. Justement, on ne voit que, je dirais, les acteurs des médias se prononcer sur les élections. La société civile, elle est passée où? Et c'est ma question. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas le porte-parole de la société civile en plateau, vous êtes un acteur. Il n'y a pas de parti unique de la société civile non plus. Non, il faut reconnaître qu'elle est probablement moins active, et
en tout cas moins visible dans ces questions-là, et parce que parfois on l'accuse d'en faire beaucoup trop. Mais également pour elle, en tout cas pour ceux qui sont concernés, qui sont actifs dans les questions de gouvernance d'élection, croyez-moi, c'est plutôt, je ne vais pas utiliser l'expression veillée d'armes, en tout cas c'est mieux qu'un repli tactique. Et il y a du travail qui se fait, c'est du travail de conception pour améliorer ce que pourrait être la participation, la contribution de la société civile, pour peu et qu'on la désire, qu'on l'accepte. Et c'est aussi ça le problème. Et n'ayons pas peur des mots, il y a toujours la question des moyens. Et donc, s'ils voulaient disperser. C'est plusieurs décennies que la société civile chante la question des moyens. Elle le chantera toujours. Combien de citoyens de nos pays cotisent, sont spontanément membres des associations? Et pour ceux qui même le sont, combien sont ceux qui assurent ce minimum en termes de cotisation? Et les cotisations à elles seules n'ont jamais réglé le problème, quand bien même elles seraient acquittées à 100%. Donc la société civile est obligée de travailler par des projets et si possible par des programmes. Je vous confesse que c'est très difficile d'avoir une approche programme en matière électorale et en étant des organisations de la société civile, parce que le bailleur de fonds, lui, et bizarrement, en matière électorale, il est plutôt dans un cycle à court terme. Et ils attendent de voir jusqu'au dernier moment la fiabilité, le climat des choses, les enjeux. Et c'est à peine si parfois certains ne souhaitent pas et qu'il y ait d'abord du mouvement avant de se décider. Mmh. Or, l'idéal serait dans l'anticipation. Dans la proactivité auprès des uns et des autres. Bon, je crois que beaucoup de choses ont bougé depuis 2019. Et les partis politiques ne sont plus les mêmes. Eux-mêmes se sont refondus. C'est à peine maintenant qu'ils commencent à émerger en tant qu'entité identifiable. Est-ce qu'il faut s'attendre à la refonte, je dirais? Non, c'est pas pour de la cela. Société civile. La société civile a besoin d'avoir des vis-à-vis et clairement identifiables. Et il y a eu quand même un sable mouvant au niveau des forces politiques, bon, avec qui parler, avec qui travailler. Et nous avons, je le rappelle, nous nous imposons d'avoir une approche non partisane de nos activités. Et donc on ne peut pas non plus se laisser au piège d'être avec une seule tendance et au risque de nous discréditer complètement. Et puis parfois les acteurs sont fatigués et se lassent de ne pas être entendus ou bien de ne pas Joël Attaï qui a déjà posé le problème de moyens. Demander par exemple à l'État d'accompagner la société civile dans son travail de veille, est-ce acheter la société civile? Akibé. Ah, la question elle est bien pertinente. C'est une question piège aussi. Partout l'État met un peu d'argent. Ça réveille des appétits et puis ça alimente la polémique. Et encore que cette société civile aussi a été pendant longtemps tensée d'être soit avec l'opposition, avec la mouvance, c'est bien. Elle est vite étiquetée et pour peu qu'elle s'est engagée au regard d'un certain nombre d'éléments qui fondent son exercice sur le terrain, eh bien, c'est allé dans tous les sens. On a estimé que sa société civile, telle société civile, est une société civile de l'opposition, telle autre est une société civile de la mouvance. Et donc, vous avez vu un peu ce qu'a vécu cette société civile. Au point d'ailleurs, à un moment donné, eh bien, trop acculée, elle estimait que chacun est du maire d'une autre société civile et que chacun peut prendre sa part de feu. C'est vrai que, eh bien, ils n'ont pas prêté serment d'y être indéfiniment, mais quand même, c'est qu'il fallait quand même dissocier certaines de nos appréhensions du travail et de la vision de cette société civile-là, qu'on a vu, pour être honnête, beaucoup plus au fond, à des moments critiques de notre actualité et politique. Les données ont changé. Et je vais le faire bien de nous rappeler que les données ont changé. La société civile
qu'on voyait active, peut-être parce qu'il fallait avoir un représentant au niveau du COSLEPI, c'est qu'il n'y a plus de COSLEPI. Donc, du coup, n'espérez pas de voir la société civile agir des mois en arrière, alors même qu'il n'y a plus un instrument qui demande à ce qu'elle soit présente. Le travail de veille que fait la société civile, ce n'est pas souvent 2 ans ou 3 ans avant. C'est toujours dans la période où nous sommes quoi, à 6 mois. 5 mois, et puis elle déroule son chronogramme. Elle rencontre les différents acteurs, rencontre les différentes structures en charge de l'organisation des élections, la Sénat par exemple, et tout ce qui est autour. Moi, je veux espérer qu'il y ait un agenda qui va être mis en œuvre instamment, mais ne perdons pas de vue ça. Il faut être honnête que les moyens vont avec, et quand c'est bien, vous n'avez pas un partenaire qui vous accompagne dans cette dynamique-là, n'espérez pas que vous avez la possibilité de véritablement travailler, élaborer sur le terrain. Et donc, moi, je veux croire, comme je l'ai dit, qu'il y a un travail de préparation, de veille qui est en cours en ce moment, et puis d'ici peut-être... mettons quoi, 2 mois ou peut-être quelques jours, on va voir cette société civile. Il y aura donc je ne lui fais pas un procès. Non, mais alors pas du tout. Parce que, pour avoir la chance de me faufiler un peu dans les couloirs de cette société civile, je sais un peu de quoi ça retourne et que les moyens n'accompagnent pas toujours, je dirais, les initiatives les plus importantes et les très nombreuses de cette société civile. Voilà. Je crois que ce serait maladroit de faire un procès à la société civile quant à ça, je dirais, sa passivité à l'heure actuelle, contrairement par le passé, sans prendre en compte le paramètre des moyens. On dit un homme, une mission, des moyens. On identifie souvent plus facilement la mission, on identifie plus rapidement et plus facilement également la personne, les hommes, mais les moyens tardent à venir. Et par conséquent, vous allez voir que quand il faut aller, je dirais, à la conquête des partenaires, des soutiens dans ce domaine, on commence par revenir avec des étiquettes. Telle est société civile de la mouvance, telle est société civile de l'opposition. Selon qu'on se prononce sur un sujet qui dérange l'un des camps, vous êtes étiqueté en tant comme tel. Et par conséquent, il faut... On n'a même plus se faire traiter d'agent de l'étranger. C'est quand même le comble. Quand vous êtes engagé dans un... dans le civisme, qu'on vous jette ça à la figure. C'est-à-dire qu'il y a bien de paramètres qu'on ignore et qui ralentit, je dirais, l'activité, l'activisme même des acteurs de la société civile. Cependant, il faut toujours espérer ce bénévolat, n'est-ce pas, ne puisse pas disparaître pour autant, parce qu'il faut reconnaître, c'est vraiment du bénévolat, même si par moment des soutiens arrivent, même si les colorations sont de part et d'autre, parce qu'après tout, les acteurs de la société civile sont des citoyens qui ont des états d'âme face à des situations données, qui pour voter naturellement n'iront pas voter pour 2 personnes à la fois, mais pour une seule personne. Vous voyez, donc il y a à travailler également. Oui, moi j'ai évoqué la société civile parce qu'on l'a vue très active par le passé. Et vous êtes bien nostalgique. Très active. sauf qu'au moment où il fallait désigner un représentant de la société civile dans certains organes, mais l'unanimité n'avait même pas été faite. À un moment donné, on a vu des gens qui s'étaient... La société civile a ses propres problèmes. et donc aujourd'hui, oui, que la société civile ne puisse pas agir, c'est peut-être qu'elle a travaillé elle-même à sa propre mort. C'est ce que je pense, parce que oui, les partenaires sont prêts à accompagner, sauf que les partenaires, il faut avoir le courage de le dire, ils n'attendent que quand il y a grabuge pour vraiment agir. C'est-à-dire que tant que tout va très bien, bon, on n'a pas encore besoin de gens pour... Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que on a estimé en tant que la société civile était l'agent de mais à taille de souligner qu'il agir. Faut anticiper. Donc, je pense, oui, il faut anticiper. Et aujourd'hui, je pense ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que la société civile aussi prête flanc à cette envie de pouvoir, de ne pas l'avoir associé au processus. C'est qu'il faut que par tous les moyens, puisque nous aussi des médias, c'est pas parce que nous avons plein de moyens à notre disposition qu'on joue le rôle qui est le nôtre. C'est que la société civile qui a fait le vœu de défendre
d'être l'œil de la société civile béninoise puisse agir et qu'on ne puisse plus voir se taire et se terrer totalement parce qu'il ne parle plus et il ne dit plus rien et il attend que vous discutez pour il y a beaucoup d'acteurs. Et puis il y a aussi le fait que quand on dit société civile aussi, jumper société civile pour société politique, c'est la chose la plus facile ici au Bénin. Vous allez voir, il défend société civile et puis juste après un bout de temps, il est en politique ou il est nommé à tel endroit. Il y a un autre acteur qu'on ne voit plus, il n'est pas loin de Canal 3. Martin Sebar, lui, depuis qu'il est dans l'organe de gestion du marché, bon, voilà. Non, il n'y a pas de lien de cause à effet a priori. J'ai fait partie du même organe à un moment donné avec lui. Non, quand même, il faut nous rendre justice de ce qu'une partie des acteurs de la société civile, et depuis les premiers grabuges qu'il y a eu depuis les 2009 à peu près, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous avons publiquement annoncé que nous renoncions à appartenir, à rentrer dans quel gouvernement que ce soit, à participer à quelque processus politicien que soit. Et ça a été un sacrifice important pour beaucoup d'entre nous. Et même sans le redire, sans le proclamer à nouveau, beaucoup d'entre nous le vivent et comme une conviction. Et c'est... Ne demandez pas la lune non plus aux gens. Non, bon, je ne suis pas un héros. Mais... maintenant, au-delà de ça, c'est du bénévolat pour l'essentiel. C'est des moyens qui sont limités et quand vous n'avez pas... Et vous devez faire une allocation, vous devez faire un arbitrage entre ce dont vous disposez et ce que vous escomptez éventuellement pour la suite. Pendant ce temps, il faut étudier la loi, il faut qu'elle soit stable et pour que vous puissiez la multiplier. Et on a perdu de l'argent à devoir rééditer ces plaquettes-là qu'on s'est imposé de diffuser, ainsi de suite. Et faire des formations... Et j'en passe, se déplacer, de toute façon, il en coûte. Et avec la violence qui s'est invitée dans nos processus électoraux ces dernières années, il va falloir qu'on réinvente le dialogue entre l'État et les acteurs de la société civile à cet effet. Et je ne désespère pas que la Sénat, après ce qu'elle fait déjà de manière admirable avec les partis politiques, prennent le temps de rencontrer également les acteurs de la société civile par rapport au processus électoral. Et si on peut se considérer comme partenaire, on est volontaire. Allez, merci. Merci beaucoup. On ne va pas boucler sans parler de cette situation. Hein. Dans le Nord Bénin, le commissariat de Dassari qui a été visé par une attaque terroriste, deux policiers tués, deux terroristes également neutralisés. Cher monsieur, le temps est complètement parti. On va faire un petit tour de table pour que l'on se prononce. Je commence par vous, Wahab. Oui, non, Christian, il y a de quoi se préoccuper face à cette situation parce qu'en termes de psychose, il y a vraiment que cela monte. Pourquoi? Il s'agit quand même des hommes armés, quand on parle des policiers, d'un commissariat. On parle, au départ, c'était, je dirais, les civils qu'on attaquait. Mais quand on en vient, n'est-ce pas, à commencer par attaquer les hommes en uniforme, qui sont souvent armés, et encore leur siège, parce que quand il s'agit d'un commissariat, c'est un défi qu'on lance, je dirais, au peuple béninois. Et là, naturellement, on est en droit d'avoir beaucoup plus peur parce que là, franchement, c'est à la limite le sommet. Ce sont des hommes armés qu'on s'en va attaquer. Ceux qui doivent assurer la sécurité des citoyens pris pour cible. Imaginez donc quand il s'agit des civils. On se dit, mais quand même, c'est un peu comme si on est dans une logique d'anéantir, n'est-ce pas, les forces de l'ordre à l'effet de parvenir facilement aux civils qui n'ont pratiquement rien sur eux. Alors, moi, je voudrais que les messages qui vont passer par la suite parce qu'on a annoncé, en tout cas,
on a lu sur les réseaux sociaux que très bientôt le chef d'état-major sera sur le terrain à l'effet de galvaniser la troupe et autres, qu'on ait des messages qui n'amènent pas forcément les populations elles-mêmes, je parle des populations elles-mêmes, à vouloir une forme d'autodéfense où désormais on verra sous la hanche de quelqu'un il a un couteau, un fusil, en tout cas une forme de un instrument pour pouvoir se défendre. Alors, faut-il avoir des craintes à Kimi Ousseni dans cette partie du pays, hein, surtout par rapport à la circulation des armes? Non, mais c'est clair qu'il faut avoir des craintes. Lorsqu'on a, c'est un symbole de l'État qui est attaqué. Il s'agit d'un commissariat. Il est attaqué dans la foulée. Deux morts du côté des policiers. Il faut déjà commencer par se recueillir sur la mémoire des personnes décédées et présenter les condoléances les plus sincères à la grande famille de la police républicaine et puis de façon toute particulière à la famille d'un des policiers tués que je connais, un ancien produit de l'université de Parakou, Mustapha Biokikiré. Il est de la commune de Kandi. Ça fait dur et ça fait, ça fait, c'est un massacre, ça fait froid au dos. Il faut présenter donc les sincères condoléances à la famille Biokikiré et leur souhaiter beaucoup de courage. Et maintenant, comme le constatons, je crois qu'il va falloir que, eh bien, qu'on travaille, qu'on réfléchisse beaucoup plus sur, je dirais quoi, la stratégie. Parce que là, ça fait très sérieux. C'est deux. Avant hier, on ne sait pas quelle va être la prochaine cible. Je crois que quand on est dans la psycho de... Ça va être le tour de quel commissariat ou de quel autre symbole de l'État. Ça veut dire que c'est une psychose qui nous en parle. Je crois savoir que la mission première du chef de l'État, c'est de nous assurer la sécurité. Et des instruments vont avec. Le personnel va avec. Il va maintenant falloir beaucoup plus réfléchir. Le renseignement, mettre les populations à contribution, parce que quoi que c'est l'élément premier de la lutte contre l'insécurité. Il va falloir que bien chacun se sente concerné, parce que ce n'est plus une question seulement des forces de l'ordre et de défense, c'est aujourd'hui une question de nous tous, où qu'on se trouve. Il va falloir qu'on puisse participer à ça, parce que comme l'a dit l'autre, chacun a une possibilité d'informer. Les terroristes passent par quelque part, les terroristes ont séjourné peut-être 2 heures quelque part. Toute personne suspecte mérite d'être très tôt dénoncée, afin qu'on puisse prendre les taureaux par les cornes. Parce que, franchement, une compréhension également. C'est très important. Donc, tout est dit. Le symbole attaqué, le bois vert qui brûle. Quand sera-t-il du bois sec que nous sommes, population non armée? Je pense qu'il faut appeler l'État à plus de vigilance, à la prévention surtout. Parce que quand c'est un commissariat qui est attaqué, je me demande dans quelles conditions les éléments ont été attaqués. Il faut quand même qu'on puisse tirer... leçon de tout ce qui est fait jusque-là comme attaque, et pouvoir mettre les éléments en état d'alerte, en état de pouvoir promptement réagir. Quand je dis comme ça, je vais laisser notre spécialiste. On vous écoute, Joël Ataïe Guélégué. Bon, c'est toujours désolant de compter des morts parmi ceux qui doivent assurer notre sécurité, notre défense. La patrie. Et c'est le lieu d'appeler à ce qu'on les dote de meilleurs moyens et que leur entraînement soit probablement revu pour s'adapter à ce type de menaces. Non seulement on devait faire avec les mines qui étaient posées, mais maintenant, si c'est des casernes qui sont attaquées, quand même, on peut se poser la question de savoir comment les gens se retournent. Si on ne les a pas vus venir, comment se peut-il qu'on ne les voit pas repartir? Évidemment, il n'est pas évident de se tenir debout quand ça crépite, et c'est pas donné à tout le monde. Et donc nous allons devoir redoubler d'inventivité, de créativité, et pour tirer leçon de nos erreurs, de ce qui se fait le mieux ailleurs, et d'activer davantage le renseignement. Sans renseignement au plan de la lutte sécuritaire, on ne peut rien pour anticiper. Mais encore plus, l'extrémisme violent ne prend pied que dans un terreau favorable de misère, de malgouvernance, où les populations, parfois, ont le sentiment d'être délaissées pour compte. Donc c'est à l'État central de marquer davantage sa présence, sa disponibilité, son accompagnement aux populations, et en les rassurant peut-être que on gagnerait également leur contribution
la contribution des civils à la sécurité qui doit être une œuvre collective. Merci. Merci beaucoup. Ailleurs, en Afrique du Sud, hein, c'est une soirée pour célébrer l'anniversaire de DJ qui a tourné au drame. On parle de 21 personnes qui ont trouvé la mort dans une boîte de nuit. Les circonstances sont pour le moins troublantes. Le corps des victimes ou les corps ont été retrouvés allongés sur le sol ou sur des tables sans signes apparents de blessures. Les autorités, il faut préciser que les corps qui sont transportés à la morgue attendent d'être donc de subir des autopsies pour voir un peu qu'est-ce qui a pu causer la mort de ces 21 personnes. Et ça s'est passé en Afrique du Sud. En fin d'édition, vous aurez votre revue de presse. Et tout de suite, ce sera le point de l'actualité en une semaine au Bénin. Et je profite de l'occasion pour vous dire merci à Kibé, merci Herman, Fahab, merci beaucoup. Bonne journée. Et merci à notre expert Joël Attaï Guédébé qui a bien répondu à notre invitation ce matin. Voici une semaine au Bénin avec Idrissou Boukari. Juste après, vous avez votre revue de presse avec Assion Mokanyassion. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. La nouvelle équipe qui compose le bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin est officiellement entrée en fonction mardi dernier. Élu le 25 mai 2022 à la faveur de l'Assemblée générale ordinaire, le bureau présidé par Eustache Kotinga, 5e président du CNP Bénin, s'est engagé pour l'occasion pour de nobles ambitions et redorer le secteur des entreprises béninoises. Le temps est à l'action et au rassemblement, en mutualisant les différents talents dont regorge le conseil, a déclaré Eustache Kotinga. Présents au cours de cette cérémonie, les patrons d'entreprises, amis et une forte délégation gouvernementale, avec à sa tête la ministre de l'Industrie et du Commerce. La zone industrielle de Glodjibé a fait objet de visite par le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement. C'était le mercredi 22 juin 2022. En présence des responsables de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, Serge Ekoué a découvert les différents compartiments du site et les activités qui s'y déroulent. À travers les présentations, le président de la BOAD a saisi les atouts qu'offre la zone à la jeunesse et les ambitions que nourrit le gouvernement dans les années à venir. Au terme de la visite, l'homme impressionné par le projet n'a pas caché sa satisfaction. Dans le cadre de la célébration de la 32e édition de la Journée de l'enfant africain, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, appuyé par les partenaires techniques et financiers, a organisé les 21 et 22 juin dernier un forum bilan de la campagne Zéro Tolérance au mariage des enfants, lancée en 2017. Les assises ont permis de faire le bilan des progrès enregistrés au Bénin de 2013 à ce jour, en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant, les défis qui restent à relever et les perspectives. Les travaux de ce forum ont été lancés à Cotonou par la ministre des Affaires sociales. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a clôturé lundi sa première session ordinaire au titre de l'année 2022. Les travaux ont pris fin après des mois de réflexion consacrés à l'examen d'une série de dossiers. Au bilan, on note une douzaine de dossiers examinés pour 6 décisions rendues. La cérémonie de clôture de cette session qui s'est déroulée au siège de l'institution à Cotonou a été précédée de celle de la signature de convention avec les promoteurs de la nouvelle radiodiffusion sonore. L'actualité de la semaine dernière a été également marquée par la tenue de l'examen du baccalauréat session de juin 2022. La ville de Ouidah a abrité le lundi 20 juin la cérémonie de lancement officiel au plan national au Collège d'enseignement général 1 Bertrand Dayon.
Kouaro Yves Chabi, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et Éléonore Yaï, la décan de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec à leur côté les autorités locales, ont donné le top de la composition. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Les forces du mal ont encore fait parler d'eux dans le Nord Bénin et vite contrées, comme le narre le quotidien Fraternité selon lequel le sang a encore coulé une nouvelle fois dans un commissariat de police. Après l'attaque perpétrée dans la nuit du 25 au 26 avril dernier, dans le commissariat de Moncé dans le nord du Bénin qui a causé la mort d'un policier, les assaillants sont revenus à la charge animés par le même dessein lugubre. Cette fois, ils ont eu moins de chance puisque certains parmi eux y ont laissé leur vie. La riposte immédiate et foudroyante a eu raison de leur détermination à semer la mort et la désolation sur leur passage. Si on déplore néanmoins un bilan non moins lourd du côté béninois, il faut saluer tout de même la détermination des forces de défense et de sécurité qui, sur ce coup, ont réagi promptement en mettant l'ennemi hors d'état de nuire. Vif d'Afrique écrit que si l'attaque n'a encore fait l'objet d'aucune revendication, il n'en demeure pas moins que le modus operandi utilisé, apanage des groupes djihadistes, laisse planer peu de doutes sur ses auteurs. En tout cas, PAMS Info Matin, au-delà des renseignements, le dispositif sécuritaire devrait alors s'adapter de façon à ce que les zones constituant des points rouges soient contrôlées par les forces armées béninoises. De son côté, sur le passage du ministre délégué chargé de la Défense nationale, Fortuné Mouati, sur une chaîne nationale, Bénin Intelligent écrit que pour faire face efficacement aux menaces de terrorisme, de l'extrémisme violent et de la piraterie maritime, le gouvernement du président Patrice Talon implémente depuis 2016 des réformes hardies au niveau des forces de défense et de sécurité. Un an après le début du second mandat, ni le souci ni l'ambition d'une armée moderne et républicaine n'ont faibli, selon le ministre. Le journal le cite qui rassure que l'armée béninoise est suffisamment outillée pour parer à tous les fléaux qui peuvent venir perturber la quiétude des Béninois. Je dirai à la population béninoise qu'elle n'a pas de crainte à se faire. L'économiste du Bénin renseigne que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé le jeudi 23 juin à Cotonou une séance d'information et de formation sur les exigences réglementaires de commercialisation des produits cosmétiques au Bénin à l'endroit des opérateurs économiques. Avec Fraternité, on peut lire que les vieilles habitudes sont de retour malgré l'interdiction. Les populations ont repris l'utilisation des sachets plastiques dans leur quotidien. Ce comportement revient dans les habitudes, malgré l'existence d'une loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Dans la suite, Bénin Intelligent informe sur la lutte contre la drogue que le Bénin privilégie la communication pour une lutte efficace contre ce fléau. Au Bénin, Alassane Seydou invite les communautés religieuses, les organisations de la société civile en général et le secteur privé a accompagné les efforts du gouvernement dans sa croisade contre ce fléau. Le matinal croit savoir que les consommateurs de la chicha sont dans le viseur des députés. Et puis cette tension au sein de la mission évangélique de la foi dont parle ce matin des publications comme Défi Info qui relate que depuis un certain temps s'observe la guerre d'une minorité contre la grande masse des fidèles de l'église du pasteur fondateur Tunji Augustin Sosa. Cette minorité tente d'évincer contre vents et marées le fondateur. Pour arriver au bout de leur forfait, ils ont décidé de broyer tout sur leur passage, violation des tests de l'église.
mensonges et autres vices sont mis à contribution pour manipuler l'opinion nationale et même internationale. Pour le routier Augustin Tondji Sosa, missionnaire à l'Église, la mission évangélique de la foi au Nigeria a pris, selon les tests de la mission, sa retraite au Nigeria après avoir servi son Dieu. En effet, les tests stipulent qu'à 70 ans, tous les pasteurs soient admis à faire valoir leur droit à la retraite. Mais, explique le journal, il n'a jamais été mentionné qu'à l'âge de 70 ans, Augustin Tondji Sosa abandonne la présidence pour une retraite. Et on constate que ceux qui veulent la présidence de la mission manipulent les tests ou en font une mauvaise interprétation pour s'enfermer dans la polémique. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Et ce sera tout pour ce lundi 27 juin 2022 sur Canal 3 Bénin chez vous. C'était Actu Matin, très bonne journée du lundi, excellente semaine. Et en compagnie de nos programmes, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.